qu'on a existé depuis 2001. Et le fait que la mission pour laquelle Dieu a fait créer cette association, nous avons toujours continué par chercher qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à ce qu'un président soit nommé à la tête de cette fédération qui est CONAEB, c'est-à-dire en la personne de Firmin Kofi Adanzemo. Et cette association qui existait depuis fort longtemps, comme je suis en train de le dire, est une fédération parmi tant d'autres. Mais chaque fédération a son mode opératoire. Et Dieu a visité son serviteur, l'apôtre Firmin Adanzemo, à qui il a confié la vision de l'unité. Parce que de nos jours, on peut dire que l'église béninoise est à terre. Si l'église béninoise n'est pas à terre, on ne peut pas être là. Et c'est des endogènes qui vont être reconnus dans la condition du Bénin, alors que Dieu est au-dessus de toutes choses. S'il doit avoir une reconnaissance pareille, c'est d'abord les enfants de Dieu qui vont être reconnus. Mais ce n'est pas la faute à quelqu'un dans la mesure où ceci que je suis en train de vous expliquer, c'est pas la faute à quelqu'un dans la mesure où tous les pasteurs évoluaient de leur propre zèle, évoluaient comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. Il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas qui est qui. Chacun se lève et dit, il y a ci, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, ainsi de suite. Nous ne refusons pas, mais il faut que le milieu soit assaini. C'est pourquoi nous avons tous épousé la vision que Dieu a donnée à son loin, l'apôtre Adanzemo Kofi Firmin, qui nous a regroupés pour nous expliquer la vision. Et nous avons compris la vision, on a dit, si c'est le cas, nous n'allons pas attendre quelqu'un avant de commencer. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre. S'il y a des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui, c'est sûr que demain ils vont comprendre et ils vont venir. Parce que quand on dit « prenons pour la paix et l'unité nationale », je crois que personne ne peut être contre cela parce que personne n'agit contre ce qui est bien. Donc il faut noter que cette association est la première au Bénin. Donc nous avons commencé par recenser petitement autour de nous, ainsi de suite. Donc pour mettre la bonne partie de leurs conseils en pratique, il est important pour nous de repousser légèrement la date. C'est pourquoi ça a quitté la date 4 passée pour remonter sur la date 25. Et le département de recensement et l'annuaire téléphonique, ça va beaucoup profiter les hommes de Dieu parce que ça va donner de visibilité sur leur ministère. Ça fait un. Deuxièmement, les frères qui ne sont pas encore arrivés à avoir d'autorisation, nous allons les aider à avoir leur autorisation pour être dans les normes vis-à-vis auprès de l'État. Et aussi, nous allons voir quelles sont les couches dont l'œuvre de Dieu leur est difficile, compliquée. Comment faire pour les aider avec des partenaires étrangers comme des partenaires nationaux. Donc, ce travail que nous allons faire avec le ministère du Commun Accord mettra d'éclairage sur chacun de nous et on saura qui il faut autoriser, qui il ne faut pas autoriser, qui on peut d'abord attendre son autorisation et voir concrètement qu'est-ce qu'il est d'abord, qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce que c'est biblique, c'est quoi son appel, c'est quoi son témoignage. Des chrétiens sont organisés aussi, pourquoi pas chez nous. Nous allons très souvent dans des conférences aux États-Unis, au Ghana, au Cameroun, au Canada, ainsi de suite. Mais jamais il y a de ces genres de conférences au Bénin parce qu'il n'y a pas l'unité. Mais l'avantage qui est dedans est la solidarité que les gens envoient de part et d'autre pour ne pas priver certaines personnes. Nous avons voulu rendre ça public. Et c'est pour le 25 prochain. La conférence de presse est pour le 24. Et le 25 prochain, nous allons procéder au cérémonie de lancement. Il y aura beaucoup de nos autorités, beaucoup d'hommes de Dieu, ainsi de suite, les ambassadeurs, les corps diplomatiques de notre pays, ainsi que les forces armées, tous leurs ensembles, pour qu'à part d'aujourd'hui, ils savent que quelque chose comme ça a pris corps, a pris naissance dans notre pays. Le bureau de CONAEB, les autres bureaux des fédérations qui essaient toujours d'apporter un petit plus, surtout l'association pour l'épanouissement des chrétiens, AEC, nous les remercions très sincèrement, ils nous ont déjà reçus. Tout le monde à différents niveaux accepte et approuve. Depuis plus de 5 mois, nous avions déjà commencé timidement dans les sensibilisations, dans les inscriptions en ligne. Et maintenant, nous voulons faire le lancement officiel de ce recensement des pasteurs pour l'élaboration d'un répertoire téléphonique de tous les serviteurs de Dieu qui exercent au Bénin.